Eh bien, salut vous les amis, nous voici partis pour une nouvelle vidéo sur la Taverne des Geeks, et là, bien sûr, nous présentons Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Et j'ai choisi pour cette vidéo de refaire des commentaires, parce que c'est un jeu qui a un petit peu bercé toute mon enfance au niveau des jeux vidéo. J'étais passionné des point and click, et c'était l'occasion ou jamais de revenir dessus. Pam, 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 pam. Et bien sûr, on a un petit souci, on n'a pas les sous-titrages. Il n'y a pas de souci. On va rajouter les sous-titres. On peut mettre soit les sous-titres, soit les deux avec la voix. Parce qu'on a vraiment besoin de... Ouais, on va mettre la voix quand même. Quoique, non, on va mettre que les sous-titres, c'est bon. Allez, reprendre. C'est parti. Ça a fait mal, hein. Bien sûr, il y avait 4 chats dont un fou. C'était... Voilà. Vous n'avez pas l'air en forme, Dr. Jones. Donc, bien sûr, nous avons trouvé un objet qui est relié directement à la mythique cité de l'Atlantida, disparue il y a, soi-disant, très longtemps, qui reste comme un mythe, entre guillemets, car elle n'a jamais été vraiment retrouvée. Et là, nous avons la jolie Sophia Hapgood.
Et voilà. L'aventure commence réellement maintenant. Il va falloir contacter Sophia. J'ai un problème avec ma souris apparemment qui a l'air d'être trop sensible. Laisse-moi entrer, espèce de dégénéré. Bah, à ton avis. Ah, ça commence à te fatiguer, bah moi aussi, tu sais. Excusez. Bon, excusez-moi hein, pour Internet, hein, mais... ouais. Bonne vieille époque où je me battais avec la souris, je m'en souviens de cette époque. Bon ben, il est capote. Non. Ouais, c'est vrai. J'étais un gros nul. C'était assez folle, mais je l'aime bien, bah oui. Mais si, j'ai envie d'aller là-bas. Bon, tant pis. On va bien se marrer. Ouais, moi aussi.
Mon gars, on va devoir trouver une solution pour que tu nous laisses parler à Sophia. Oui, quoi encore? Tu peux me parler autrement, toi? L'OM a gagné. On est aux États-Unis. Enfin, bref, à l'époque, il y avait comme des incohérences au niveau du scénario, je trouve. À part s'il parle d'une autre équipe, mais. Ça qui est chiant, pardon, excuse-moi du terme, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je crois qu'on va se faire engueuler. On croyait qu'il y avait un ascenseur secret ici. Je pensais que tu devais même bien être une vraie scientifique, voyons. tu n'as rien publié sur tes découvertes. Hein. Enfin, jamais rien publié. Excusez-moi. Ouais, décidément.
Je vais être allergique à Indiana Jones alors. Oh la vache. Elle est pas bien. Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures, et là nous partons du coup en Islande. Tu devrais être un peu plus aimable, hein. n'est pas d'humeur amicale, là. Ça va. Si tu le dis. Savez-vous vraiment? Oui, bah on le sait, il me semble. Je crois qu'à l'époque, j'avais dû trouver la réponse. J'avais demandé à Sophia. Encore un café, mais quelque chose de bon. Et on va le laisser, on va aller faire nos recherches, hein, parce que lui, je l'aime pas trop, il est pas de bonne humeur, et puis voilà. Alors, si je me trompe pas, il faut d'abord qu'on aille en Islande. Non, à Tikal.
c'est beau la nature, oui. On peut pas rentrer. Ce temple est dangereux. Oui, bien sûr. Je n'ai pas de carte postale, ni de réplique, ni de ta souvenir, merci. Ah oui, bah t'es beaucoup de choses à la fois, on dirait. Zut. Ouais, c'était le nom d'un chien en fait. C'est le perroquet. Heureusement qu'il ne change pas de question en permanence, hein, parce qu'on n'aurait pas fini. Merci perroquet. Alors, il faut que je trouve un moyen déjà de régler cette souris.
D'accord, si tu veux, ça peut te faire plaisir, on va regarder ce que je fais. Pourquoi, mais c'est quoi ces conneries? Ouais, j'ai pris ta lampe. Oui, je sais ce que je fais. Remarquable, on dirait qu'il se fout vraiment de nous là. Je te préviens, tu me ressors une autre connerie de genre. Et ben voilà, ça y est. On a perdu la pierre terrestre. Ça va que quand vous connaissez l'histoire, que vous avez déjà fait le jeu je ne sais combien de fois, du coup c'est bien plus simple de le refaire. Et du coup on retourne en Islande. Mais si, ça marchera. Du coup, notre ami a été congelé. Faut vraiment que je règle le problème de la souris là, parce que c'est saoulant. Et du coup, on va aux Açores. Petite musique, hein, toute simple. Hein. Alors, si on n'a pas envie de perdre de temps, on pourrait aller parler avec Sophia. Oh, c'est pareil.
oui, vraiment, elle est sûre d'elle. Sûre, pas sourde. Pouvez-vous nous le procurer? Non, d'accord, bon bah c'est tout, hein. Savez-vous ce qu'il contient? Non. Vous l'avez lu? Pas exactement, bah oui, bah voyons, hein. Est-ce que vous l'avez? Désolé. Savez-vous où nous pouvons le trouver? Eh bien, ça dépend. Je voulais échanger cette information contre un artefact rare de l'Atlantide. Comme un certain collier dont j'ai entendu parler. Je n'échangerai jamais mon collier. Oh, bah tant pis, comme vous voudrez. Réfléchissez. Madame, j'ai fait des affaires avec n'importe qui. De ces jours. Oui, maman. La connexion Pierce. À bientôt, mon vieux. Un laboratoire de recherche quelque part en Allemagne. Pam palam pam. Palam palam pam. Bien sûr, c'est celui qui nous a piqué notre truc, alors. Thank you.
J'espère que vous n'entendez pas le piano qui joue juste au-dessus de moi, mais... Téléportation, monsieur Spock. Donc nous avons dit la collection Pierce. Oui. J'ai peur tout seul là-dedans. Le problème c'est qu'il faut qu'on retourne dans le bureau parce qu'on a 2-3 bricoles à récupérer dans le bureau en fait. Non, c'est pas planté là. Je sais ce que j'ai à faire. Faut voir que je règle ce problème de souris pour la prochaine vidéo, excusez-moi. Et je sais pas pourquoi ça me fait... Dans d'autres jeux, j'ai pas ce problème-là. Alors, il faut qu'on trouve la collection Pierce, je sais pas où elle est. C'est peut-être cette étagère-là. Avec de la chance. Non. Alors, je crois qu'il va falloir que je descende déjà au rez-de-chaussée. C'est pas vrai. Tchou-tchou-tchou. Oui, il est un peu con là quand même. Ok, c'est pas ça non plus.
C'est pas vrai, ça me perd pète un câble ce truc. On va utiliser le totem si on y arrive. Donc on va cesser sur ce passage là parce que la prochaine décision va être ultra importante. Ça va être le choix à faire entre l'aventure en solo mais mode énigme, l'aventure en solo mode action et l'aventure à deux. Donc on va réfléchir et je pense que ça sera possible qu'on fasse peut-être trois séries de vidéos sur les trois types d'aventures possibles. Nous allons y réfléchir et puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bientôt les amis, ciao ciao.